tire un bilan globalement satisfaisant. Les débuts de la programmation ont été compliqués. On devait tester quantité de choses, le dispositif changé, première décentralisation. Ensuite est intervenue la fusion des régions. Et donc dans ces conditions difficiles, on atteint des niveaux de programmation autour de 50% en moyenne, qui nous semblent satisfaisants. Il faut toujours aller vers plus de simplification pour permettre une programmation plus rapide. C'est vraiment l'axe majeur. Ça veut dire, simplification, ça veut dire simplification des règlements, un accompagnement moins tatillon. Ça veut dire aussi une simplification dans l'accompagnement des porteurs de projets pour qu'ils puissent développer des projets adaptés et qui satisfassent aux exigences de l'Union européenne. L'enjeu clé, c'est de maintenir une vraie ambition européenne, parce que c'est un budget de solidarité, et en même temps d'arriver à cibler les nouveaux défis de la cohésion et qui se vérifient sur le territoire national. Ça veut dire de s'adresser à toutes les régions, mais aussi de cibler les territoires qui sont aujourd'hui confrontés aux plus grandes difficultés.